Et oui, bonjour à tous, bonjour YouTube, comment allez-vous? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez fait pendant ce mois de vacances. Moi j'ai eu un mois de vacances imposé, j'ai eu des retraités, je me suis ouvert tout le doigt, ce qui explique le peu de vidéos qui étaient présentes sur la chaîne ces derniers temps. Alors j'espère que vous allez bien, on remercie l'éditeur de Dark West 2 qui nous a envoyé une clé, merci à lui, des bisous. Et on va tester, on va essayer de jouer à ce jeu. On aime beaucoup déjà la basse et la musique du menu. Alors, ah, désolé, je suis essoufflé, mais le stream vient de commencer. Allez. Halt, qui va là? Ah, moi, c'est... Canevan, bonjour. Facile. Chaque héros du groupe commence avec 3 points de vie en plus. Normal. Rien de spécial. Hardcore. Ah, les héros ne peuvent pas être résurrectés, comme qui dirait l'autre. Une fois qu'ils sont morts. Et si tous vos héros meurent, la partie est finie. Bon. On va jouer en normal. Oh, j'ai une lettre pour vous. Oh, génial. Oh, j'espère que c'est pas les impôts encore. Oh putain. Il a pas l'air bien. Ça a pas l'air d'aller. Alors, en nuit de la célébration, oui. Voilà. Oui, comment on dit déjà? Comment on dit hosté? Tenu hein, par le roi lui-même. Il y a eu un sombre... ouais, d'accord. Ah, tout c'est la merde. C'est la merde dans le... C'est la merde dans la cave, quoi. Ah, ok. Un sorcier avec des orques et des gobelins ont creusé des tunnels et ont attaqué par en dessous pour aller piquer la bière. Oh là, les monstres d'autres dimensions ont été invoqués. Et en moins d'une heure, hein, tout était niqué, hein. Femmes, enfants, tout ça. Ah ouais, voilà, je vous avais dit. Ils sont tous bourrés. D'accord. C'est quoi comme... Salut Marsupio, c'est quoi comme petit buzz? Je sais pas. Je crois que c'est un tactical, mais je suis pas sûr. Il a pas l'air... Mais non, il a pas l'air bien. Hein. Je sais pas ce qui se passe. Bon, les seuls gens qui ont survécu cette nuit sont ici au village. Un village hanté par les cris. Oh là là, c'est horrible ça. Ok, vous devez donc maintenant entrer dans le château, faire face à cette horreur et cette folie. D'accord, c'est ma dernière quête. Niquer le sorcier et tous ces mignons. Bonne chance. Oh, j'y vais. Ça a l'air d'être une bonne idée, j'y vais. Oh, sinon on aurait pu déménager. Cinématique. We must warn master. Oui, oui, oui. Bonjour, oui. Oh, c'est HeroQuest. C'est le gars de HeroQuest sur la boîte du E, des années 80. Quand j'étais un enfant. Coming. I see them. What would you have me do, master? Open the gates. Let them in. Yes, master. Master. Ah, oh, c'est le maître, c'est le mi-maître de HeroQuest, mi-Père Noël. Oh, pas mal. Ah, on travel. On voyage. Ok, attends, on peut se déplacer. Alors, clic gauche sur une case vide pour faire un chemin. Ouais, c'est comme dans HeroQuest en fait, hein, ceux qui ont joué HeroQuest. Clic gauche à nouveau pour valider, pour Kamel valider. Vous pouvez jouer un autre héros durant ce tour en cliquant dessus. Très bien, j'ai tout compris. Compris le tuto. Alors, attends. Et si je fais. Oh, je peux. Ouais, ok. Ah, c'est. Cette démarche singulière. Pardon. Pardon, mais il a une démarche singulière. Voilà. Clic gauche sur les squelettes pour rechercher des trésors. C'est ce qu'on vous savez. Hein. Entre les deux, entre les ribs d'un squelette, nous trouvons toujours moult trésors. Hein. Vous ne savez pas ce que cachent les os d'un squelette. Ah voilà. On va tester notre perception. Et si on réussit, on découvrira un trésor. D'accord. Parce que c'est vrai qu'un trésor pourrait être caché à l'insu de notre regard sur un tas de d'os. Alors attention, right click sur un personnage pour voir ses stats. Wow. Alors c'est où? Perception 40%, c'est pas terrible, on va jamais réussir. J'aurais préféré 10%, on aurait plus de chance. Donc 3 en attaque, physique, 1 de portée, une case de portée. 60% de précision. 40% de défense, 5 de mouvement, 7 PV. 50% de sanity. Ah, il y a un côté santé mentale, peut-être.
80% de courage, hein, c'est courageux. Hein. C'est en même temps de venir ici tout seul, alors que tout le monde est crevé, que c'était tout un château. Je vous avoue que oui. 40% de chance de trouver un trésor. En effet, c'est bien mon score de perception. Le jeu ne nous arnaque pas. Allez. Oh yes! 31 balles. Allez, on va au bistrot. Attention. Alors, ton attaque et la précision détermineront combien vous ferez de dégâts à chaque coup. Alors, une attaque de 1 et une précision de 60 dit que tu auras 60% de chance de toucher. Ah oui, en fait, du coup, si, vu que j'ai attaque 3, je vais faire 3 jets d'attaque avec chaque fois 60% de chance de réussite. Oh, ça va, normalement, je touche une fois, quoi. Je touche deux fois, quoi, une ou deux fois. Ah putain, pourquoi j'ai dit ça, déjà? J'aurais jamais dû dire ça. Bon, autre ami. Et l'ennemi va, du coup, utiliser sa défense pour essayer de bloquer les touchés. Les touchés recto. Ok. Oh, First Blood, succès. J'ai rien eu tout le temps de le voir, il est déjà mort. 31 balles encore. Regardez, on est tellement riche. Oh, regardez, j'ai tout contrôlé. Retourne d'où tu viens, tant que tu le peux. Je me sens nu sans abonné. Alors, j'avoue que sans abonnement, on se sent nu. C'est normal, hein. Je peux aller jusque là? Mais normalement, je peux faire que 5 de mouvement. Parce qu'il n'y a pas de monstre, je suppose. Oh, une magic pot. Ah, du pot. Mes petits potes. Alors, ça fait quoi, les potes? Ah, on peut l'utiliser dans le village pour augmenter nos capacités. Ah, mais je peux en avoir que deux. Telle l'arnaque. Bon, alors là, vraie question. Vraie question, vous votez plutôt à gauche ou à droite? Enfin, je veux dire, vous voulez que j'aille à gauche ou à droite? Eh, là, j'ai des potions de vie. Très bien. Je peux end turn. Je peux lancer des haches. Mais il me dit tout pas le tuto. Centre, gauche. Ah, vous votez pour que j'aille à gauche. Allons à gauche. C'est parti. Oh, le jeu me dit pas tous les trucs que je peux avoir. Allez. Oh, de l'argent. 100 balles! Mais qu'est-ce qu'ils foutent dans ce château? Ils laissent traîner des thunes partout. Enfin, ils sont pas bien. C'est les impôts, ça. Hein. Garantie, c'était les impôts. Un ennemi. Ah, c'est quoi le Skull of Fate? C'est comme dans Sea of Thieves. Garantie. Ok. Alors, faut activer le crâne du destin. Alors, soit un ennemi aléatoire. Oh putain! Allez, cadeau tank, user any sweep arabonne. Incroyable! Merci beaucoup, Rocky, pour les 200 francs! Tellement d'argent, le top 1, il est si beau. J'avoue que ton petit regard en haut du chat, là, ton petit logo, là, sur le petit badge doré, ça rend plutôt bien, Rocky. Hein. Très stylé. Bravo, merci pour l'argent. Exactement, Desperd. Nous sommes... Ah ouais, alors j'ai vu les streams PGM, le mot est un peu usurpé. Le mot, bon bref. Alors, un ennemi aléatoire crève. Un ennemi aléatoire prend 1 à 2 dégâts. On est soigné de 1 ou 2 PV. On perd de... Non, on gagne de l'argent. Ou alors rien du tout. Oh, c'est que du bonus. Très bien. Bon, allez, on va le... Il a 20% de chance de bloquer. Premier coup qui passe. Ah oui, je fais jusqu'à 3G, mais... Enfin, c'était bien ça, 3 d'attaque. Je fais jusqu'à 3 d'attaque, mais au premier hit qui touche, on s'arrête finalement. Bah, j'aurais pu aller voir le... Ouais, moi j'avais envie de faire la Gaston. En fait, du coup, ça n'a aucun intérêt de l'activer maintenant. Oh, si. Est-ce que c'était du génie? Est-ce que c'était du génie? Parce que les autres ne pouvaient pas s'activer. Et donc du coup, j'avais qu'une chance sur deux, c'était de gagner des sous ou rien qui se passe. En tout cas, 33 balles. Très bien. Bon, ils m'ont pas dit la map, ils m'ont pas dit tout ça. Hein. Bon, le jeu, le tuto... Bon, on va aller là, du coup. Nul.
Oh bah ça me rappelle HeroQuest, hein. C'est HeroQuest. Ah, on peut utiliser les capacités du barbare. Voilà. Lancer de hache. Oh putain, ils sont uniques et ne peuvent être utilisés qu'une fois dans chaque quête. Bim! Dans ta fax. Viens voir ces mots que je te faxe. Oh oui, si, c'est bon en fait. Il y a pas l'animation, mais il y a bien les 3G. Je lui ai fait 2 dégâts. C'est trop bien. Ah, il va faire la vaisselle, Asmo. Des bisous, Asmo, pourquoi je prends la vaisselle, hein. T'as besoin d'un tuto pour... Ah bah ouais, moi j'ai besoin d'un tuto pour touche, il faut tout m'expliquer, hein. Faut tout me montrer. Ah oui, c'est clairement ça. Alors c'est le deuxième, hein, parce que du coup c'est Dark Quest 2. Déjà ça s'appelle Quest, hein, Dark Quest pour... hommage, pardon, évident. Le chat dissident. Mais du coup, ouais, il y a bien... Pardon, il y a bien quoi? Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas. Il y a bien 3 coups. Oh! Le pote. Les petits potes. Génial. On se prend de l'herbe. Trop bien. Il faut que je trouve un chemin pour ouvrir la porte. Alors ça... Ah oui, 40% de trouver un trésor. Bah écoutez... Rien du tout. Oh oui! 30 balles. Oh, je suis tellement riche. Rien du tout. Alors, les attaques magiques. Certains personnages, comme le sorcier et le gobelin sorcier, ont des attaques magiques. Pour bloquer les dégâts d'attaque magique, il faut avoir un bouclier spécial. Et il y a aussi les dégâts de chaos qui ne peuvent être bloqués sous aucun prétexte. Ah bon, on va les niquer lui en first alors. Oh, les 3 dégâts. Oh, le blocage. Orage de mon blocage. Il m'a mis 1. Tiens. Ah mais pourquoi c'est passé à 2 sur 3? C'était 1 sur 2. Alors, peut-être que j'ai mal lu. Ah putain, il y a du hautbois dans la musique. Et un solo de ses morts. Bon, ça c'est pour ouvrir. Ok, le chemin est ouvert. Oh, blocage de dos. Bah oui, mais il a le dos solide. Tu vois bien qu'il a une hache dans le dos, pirate. Et bien, en tout cas, merci à tous ceux qui passent. On est 17 000. Hein. Incroyable. Ouais, ça... Oh, c'est lui, c'est le méchant, le grand méchant. On se retrouve à nouveau, barbare. Ouais. Ouais. Tu es brave. Oui. Même si tu es maudit. C'est bon, arrête de rire. C'est tout. Oh, je vais te faire fermer ton clapet, sac à merde. C'était la meilleure traduction. Bon, allez, on y va. Condamné, oui. Ah, ça y est, donjon exit. On a réussi le tuto! Yes! Congratulations! Vous avez complété la quête! Et la vieille traduction! Ah, vous êtes de plus en plus proche pour trouver cet endroit où se cache le sorcier de ses morts. Il faut retourner au village et te reposer. Ah oui, le repos. Je vais un peu court, 1 sur 20. Yes, on a fini le jeu. Ah putain, 15 balles pour ça, c'était vachement bien. Incroyable. Je sais pas combien il coûte. Alors, les choses importantes. Exactement, c'est ça. Bon, chose importante à faire au village. Aller au bar. Non. Si, bah si, finalement oui. Regardez, c'est bien écrit. Vous reposez à la taverne pour recouvrer vos PV. Apprendre de nouveaux sorts. Acheter des potions. Kelbel Traduction. Merci Rocky pour les 17 francs supplémentaires. Merci beaucoup. Moult Zoubi. Alors, apprendre de nouveaux sorts, acheter des potions, résurrecter les héros morts au combat, et commencer une nouvelle quête. Très bien. Ah oui, je peux avoir des petits potes. Quoi? Oh, on peut jouer en multi avec des petits potes.
Oh, je peux jouer avec des amis que je n'ai pas. Génial. On peut jouer avec les amis que j'ai pas. Bon alors par contre, on m'a dit que ça je pouvais les vendre. Hein. Quest. Boy, acheter des potions. Alors chaque héros peut porter de 1 à 3 potions. On ne peut utiliser qu'une potion par tour. Drag and drop. Ah mais là je suis full, c'est bon. Merci, merci pour le learn spell. Ah oui. Alors pour apprendre et augmenter des capacités, des compétences ou des capacités, il faut, voilà, c'est ça, voilà, il faut utiliser son petit pote, son magic pote. Ok, les capacités ne peuvent être utilisées qu'une fois par quête, on l'avait vu tout à l'heure, alors qu'une compétence peut être utilisée à moult reprises. Ah, il faut drag and drop. Oh, trop bien. Du coup, je reviens en fin de stream. Salut Elminster, des bisous Rocky. Ah oui, alors du coup, alors en vrai, moi j'avais vu le multi sur la fiche du jeu. Et donc du coup, il y a du multi online, on l'a vu, mais il y a aussi du multi local. Ah ouais, putain. Alors. Donc du coup, on a notre lancer de hache, qui est une capacité. Il nous faudrait des skills. À chaque fois que tu attaques, tu as une chance... Ah non, à chaque fois qu'on se fait attaquer, on a une chance. On a 10% de chance de faire un counter, un contre. Oh putain, on peut avoir des attaques supplémentaires. Oh putain, c'est fort. On peut augmenter Fear of Steam. Une fois par quête, on peut augmenter notre attaque. Très bien. Ajouter des dégâts. Ok, aux autres compétences. La rage. Avec la rage comme détonateur. Ah putain, c'est à chaque fois que on a peu de PV, on a plus d'attaque. Ok. Et man to man. Ok, bon, pas mal de trucs cool. En se partageant le clavier à l'ancienne. Bah, je pense, hein. De toute façon, c'est du tour par tour, on se partage la souris. C'est en hot seat. Bah, savez-vous pourquoi on appelait ça le hot seat à l'époque? C'est parce qu'on jouait sur un seul siège. Et le siège était tout le temps chaud. Car on avait posé notre cul dessus. Et quand notre convive venait jouer son tour à Heroes 3, il avait son siège chaud. Le hot seat. Bon alors du coup qu'est-ce qu'on prend? On peut améliorer le counter là, 10%, on a beaucoup de chance. On va le faire. Comment? Drag and drop, comment? Ah voilà. Oh. Je vais améliorer mes haches. Bim. Allez. My powers increase. Nice. Il manque un PV donc faut que je passe à la taverne. Blacksmith et... Ah, on pourra avoir le blacksmith après. Oh putain. Waouh, ça va vite. Waouh. Oh yola, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ah, je veux recruter des héros. On peut se reposer déjà. Alors, quand on va... Machin... Ok, ok, ok. Ah oui, putain, 50 balles par personne. Pour un PV. Je sais pas, hein. Ok, ça c'est pour Rez. Le marchand, machin. Mais ça a l'air bien là. Pourquoi on peut pas aller là? Bon, alors est-ce qu'on se prend un tout petit ami? Nouveau héros pour rejoindre le groupe. Ok. On peut avoir un chevalier. Un moine sombre. Un archer. Ah, c'est trop bien ça. Un wizard. Oh, il y a des nains, pourquoi? Ah, il faut le débloquer à travers une quête. Ah, trop bien. Ah mais en fait c'est mieux d'avoir un archer parce que du coup il a toujours des pouvoirs et ils vont nous faire chier avec leur mana là. Mais ah voilà. Et je dois attendre 4 quêtes pour pouvoir monter et je pense qu'on pourra avoir 4 personnages. Très bien. Ok, tout est clair, tout est sous F5. Ah, je peux faire une custom map. Je peux avoir un petit conseil ou je peux faire la campagne. Allez, on va faire la campagne. Introduction, c'est fait. Ah oui, max deux joueurs. Le passage. Tu continues ton exploration dans la grotte. On dirait que voilà, il se passe quelque chose. Allons voir. Oh, allons voir ça. Ah, je peux mettre que 2 persos. Mais quoi, qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai fait bugger le jeu. J'ai réussi à...
Je voulais changer leur place. Et ça a fait tout bugger. Ok. J'ai trouvé un bug. Oh putain. Ah ouais, ouais, une flèche, un mort, j'espère. Et bah c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ce euge. Alors là, du coup, je peux cliquer. Voilà, je clique sur qui je veux. Alors si j'y vais là, ça TP l'autre ou pas? Pas du tout. Oh, c'est... J'avais oublié leur... Alors attendez, oh, clic droit. Alors, 2 d'attaque, physique, 4 de portée, 70% de touche, 5 PV, et meilleure perception du coup, pas mal. Oh, les nullos! 70% c'est trop. Heureusement que Conan est fort. Oh, regardez, écoutez cette musique de Warcraft! Oh, ce repompage! Quand je me faire strike la vidéo. Je vais avoir un strike vidéo musique de Warcraft. Warcraft 2. Oh, j'ai pas regardé son. Ah, je peux mettre un piège. Excellent. C'est pas trop redondant, ça va, pour un jeu de ce style-là. La map. Alors du coup, j'ai pas regardé. Book of Aldan. Le talisman du roi. L'arbalète des damnés. La cape de magie. Oh, il y a des artefacts. Ok. Et ça, c'est pour me barrer, je pense. Ça m'a tout l'air d'être un truc pour se barrer. Et donc du coup, moi, je vais aller dans le petit coin. Et du coup, ouais, je suis obligé de finir là. Oui, c'est vrai. Ah, et là, on est lucide, regardez, 50% de chance. 18 balles, bim. Champion du monde. Vive l'argent. Oh, l'argent. On va chercher l'argent. Oh! Le château et ses donjons ont des pièges. La plupart ne se déclencheront qu'une seule fois. Alors, on peut seulement les trouver avec une compétence ou alors en disposant d'une torche. On n'a pas de torche, mais on est torché. Est-ce que ça fonctionne? Oh merde! Elle a perdu combien de pèves, hein? Attention, ça. Le château. Ah putain, quel enfer. Je peux le disarm? Ah ouais, en fait, on s'en fout, ok. Alors pourquoi on est passé par là sans regarder la map? Oh là! Squeak! Squeak, squeak, squeak! Le rat maléfique! Il s'est passé. Oh là là! Et tu vises, hein? Merci. Je vais me mettre là. Oh putain, merde! Oh quel connard, j'avais plus de. Oh c'est bon, il a tanké comme Jaja. Oh là là, quelle équipe! Nice! Alors, j'avais pas prévu qu'il fait ses 5 mouvements, après on l'a dans l'eau, s'il peut pas attaquer. Peut-être arranger votre champ, enfin. Véritable cheville ouvrière de ce festival. Ah, patatras! Bon, du coup, ah, pour ceux qui connaissent pas, désolé. Hein. Ça, c'est pour les plus vieux d'entre vous qui ont regardé Groland. Yes! Oh, j'adore les Magic Potes. Les Magic tout petits potes. J'adore ça. Alors attention, regardons la map. Oh là là, qu'est-ce qui se passe dans cette map? Oh, cette musique est très spéciale. Attendez, faut qu'on remonte, je pense. Bon, j'ai bien fait de, dans le choix des personnages de mettre le barbare en premier. Comme ça, c'est à mon avis le premier à être utilisé. La plupart du temps, c'est pas mal. Un archer. 1, 2, 3... Alors attendez, moi je vais faire ça. Oh, je vais faire ça. Oh, nulos!
Qu'est-ce que je fais? Allez. Oh merde. Oh le salaud, t'es mort. Mais putain, mais il me touche trop. Oh, j'aurais tellement dû. J'aurais dû aller le buter lui. Oh. Oh, la flèche à distance, tu te crois où? Manque de réalisme, ce jeu. Tu vas aller ouvrir le coffre? Comme ça, s'il y a un piège. Oh, 2 PV, c'est pas assez. Oh, j'aurais dû utiliser mes haches. Ah, il va falloir partager les Magic Pots. Ah putain, mais il y a des pourcentages sur les potions de vie. Ah, quel enfer. Ah ouais, voilà, ça, on sait pas trop. Oh, c'est des potions. En fait, c'est des potions que vous les avez achetées chez Lidl. C'est-à-dire que vous êtes pas sûr de la qualité du truc. Alors peut-être que c'était périmé, qu'il y a un connard qui a remis une étiquette par-dessus, qui a changé la date et qui a rajouté 6 mois. Ou alors, finalement, c'était de la très bonne facture et c'était en promo et vous avez de la chance. C'est un peu comme aller acheter des trucs. Ah voilà, c'est comme aller acheter de la boisson chez Noz, finalement. Vous, c'est pas cher, mais vous savez pourquoi. C'est un peu l'idée. Moi, je vais boire une popo, quand même. Oh là là, très bonne qualité. Alors ça, c'est le fût pression de la mairie. Faut qu'on aille là. Je peux pas faire un raccourci. Non. Je peux pas faire un abra raccourci. Allez go. Encore là-haut. Tac. Bon, alors qu'est-ce qui se passe là-bas? Un coffre. Allez, j'y vais, je tank. 50 balles. Bon, on a bien fait. Et maintenant, il faut revenir. Alors, on peut changer dans les options, en gameplay, le walk speed. Je suis en fast, et je peux mettre en very fast. Parfait, c'est ridicule, on adore. ensuite, quel est le chemin? Bon, on peut descendre. Bon, il va peut-être falloir que j'utilise mes pouvoirs. Ah ouais, parce que là, je vais lui lancer une hache. Oh, bim! Putain, mais elle est nulle. Oh là là, tellement fort. Non, mais mes sous. J'ai oublié de prendre les sous. J'ai oublié de prendre les sous des abonnements. Je m'endors, il est même pas 20h. Ah bah, si tu savais. Moi, je commence à m'endormir à partir de 13h à peu près dans la journée. Alors... Alors moi, je vous avoue que j'ai dû me surmotiver hein, pour aller streamer. J'aurais préféré aller dormir. Ah là, moi, j'ai pipé. Hein. Bon, alors attention, parce que là, on est parti. Ici. Ah, on pourra peut-être avoir une jonction. Donc, allons là. Oh! Moult cadeaux! Oh putain! Ça me fait peur. Les pièges me font peur. Je répète. Cet homme me fait peur. Yes, tant d'argent. Bon, on ira dormir à l'auberge. J'avoue, tips. J'ai oublié des sous en bas. Mais où? Loin? Oh, si c'est loin, c'est tant pis. Oh, c'était une info de chat. Merde, je me suis fait avoir. Ça fait trop longtemps que j'ai pas streamé. Oh, y a un piège dedans. Ça explose. Ok. Oh bah, c'est le moment d'utiliser la hache. C'est trop bien que la hache utilise... Enfin, c'est une fois par... Enfin, là, j'en ai deux, mais...
Sinon, c'est une fois par Kate. Oh, j'ai déjà looté 1000 balles. Mais ça utilise pas le tour, c'est trop fort. Attendez, on va aller là vite fait. Oh là là! Oh lolo! J'utilise ça, le pouvoir du crâne. Nice. Oh oui! Et pourquoi regarder? J'étais à 2 sur 3 et là ça passe à 3 sur 4. Je comprends pas bien. Mais tant mieux, hein, tant mieux. Cette pierre semble très étrange. Un passage secret. Ah, la fin du donjon. Voilà, ça s'est si bien passé. Victoire. Oh là là, les congratulations sont de mise. Retour au village. Alors, je pourrais toujours pas avoir un petit pote. Encore. Salut. Encore 3 quêtes. Par contre, je peux me reposer. Oh, il y en a des thunes, hein. Faut se reposer. Oh, je me sens mieux. Oui. Ok. Ah, je peux aller sur... Alors, qu'est-ce que... Elle a rien. Ah si, elle a ça. Elle a les trappes de merde. Les pièges de merde. Ah, détecter les... Ah bah voilà. Oh mais ouais. Détection de trappe. À fond les ballons. Attendez, je voudrais... Après, je veux peut-être aller là. Oh, le counter. Au cas où. On n'est jamais à l'abri que ça se passe bien. Pas encore le troisième persal, il faut que je refasse 3 quêtes. Et là, le boss plus tard. Et les autres trucs. Mais on peut toujours pas aller ici là. Oh, laisse tes sens te guider. Bah je voudrais bien, mais je peux pas venir. Le maire il m'a dit, arrête, t'as plus le droit d'aller dans ces endroits là. Oh les popos. Ah oui c'est vrai que j'ai utilisé une popo de vie hein. Elle a rien. Qu'est-ce qu'ils ont? Potion de résistance. Ah oui, les Magic Shield. La potion de... pour se sentir fraîche. Une potion divine. Bon, je vais racheter des popos de vie, là. Quoi? Je vais lui en prendre une. Oh, j'ai des sous. Allez, attention. Soyons pas radins. Plus on a d'argent, plus on est radin. On l'économise pour le mettre dans notre tombe. Tout le monde s'en bat les couilles, finalement. Bon, alors on s'en refait une. Allez, attendez, un petit conseil. Je pourrais te donner des conseils, mais tu ne saurais que en faire. Il se fout de ma gueule. Ah, je n'ai pas encore téléchargé de map. Ah, je dois télécharger des maps pour faire des custom maps. Non, non. Alors, oulala, on peut aller à gauche. Oh oui, on peut chercher le nain. Oh oui. Direct. Trop bien. Trop bien ce jeu. Je suis sûr que c'est le meilleur perso. Déjà le rendre obligatoire. C'est preuve que c'est un bon jeu. Ah ça change d'aspect. À droite. À droite toute. Tout droit. Parce que ça me fait chier, j'arrive pas à cliquer. On doit près du trésor ou de la bière, j'espère. Oh, c'est tortueux. Telle une tortue, c'est tortueux. Oh, c'est quoi ce donjon? C'est mort. Putain, il va falloir déjà que je retourne en arrière. Oula, il y a du monde. Il y a du monde au balcon. Merci. Oh, bâtard. Oh mais arrête d'être nul. Et ton counter là. Active ton counter. Ton counter streak. Putain mais nul. Ça c'est mieux, ça on préfère. Allez bim. Allez putain. Alors par contre des fois
attendez, je la bouge. Parce que du coup, je pouvais pas accéder à ces trucs-là. Mon Magic Pot. Non, faut pas que je... Faut que ça soit elle, en vrai. Qu'elle a 5 ans. Ah non, ça a changé, elle ? Oh, je sais plus. J'ai déjà tout oublié. Ok, good. Oh, j'en suis pris plein la gueule, là. Hein. Je suis pas très très content de quoi qu'est-ce qui s'est passé. Bon, attendez, je reviens en arrière. Parce qu'après, si on va tout au bout et qu'il faut revenir tout en arrière de l'arrière, ça va nous casser les... Est-ce que je peux passer à travers? Ouais. Tout ça pour ça. Voilà pourquoi il fallait le faire maintenant. On aurait été très très énervés de le faire bien plus tard. On va essayer. Ça m'a l'air d'être un niveau qui va vers le haut. Enfin, le haut, vers en haut à gauche. Mais il n'y a pas d'ennemis. Des bisous d'Esper, merci d'être passé. Bonne soirée. Oh, ça c'est bon ça. Joli cadeau. Oh, attendez, je l'active. Ah, c'est bien ce que je... J'ai l'impression que du coup, ça me donne forcément les thunes, vu qu'il n'y a pas de mob. Bah voilà, quand tu veux. Et d'ailleurs, faudrait que je fasse gaffe parce qu'elle peut voir les pièges, elle. Ah mais on est déjà allé l'autre côté. Attendez, je vérifie. Ah oui. Day bisous. Oh merci. Merci pour les 101 francs. Merci Despers, merci beaucoup. Ah oui, d'ailleurs Despers, faut que tu viennes à la maison bientôt, parce qu'il faut boire une chimie bleue pour la capsule. Ah merde, je me suis trompé de sens. Hey, y a le nez. Help. Allez, aidez-moi. Je suis coincé ici. Tabernac. Ok, on va essayer de trouver un chemin. On va essayer de t'aider. T4T. Je la fais passer devant parce qu'elle voit les pieds. Fin du mois, nice. Avec plaisir. Ok, j'avance petit à petit parce que j'ai pas bien tout lu. Oh là là, il a l'air d'être costaud. C'est un master. Master. Oh, bravo. Deux attaques, ouais bon. J'essaie de tuer les nuls avant. C'est... Ah, ouh. Alors là, coup de hache. Ah, je peux pas l'utiliser plusieurs fois partout. Oh là là, barbarian. Oh, il a tout défoncé le barbare. Tellement chaud. Oh, il était Odin sur 20. Ah. On a dû libérer le passage. Alors, faudrait que je pose les pièges avec elle, mais... Oh, le jeu piège. M'intéresse pas quoi. Melty. Ah, il croyait qu'il était bloqué à tout jamais. Ouais, ok. S'en fout. Ah oui, salut, ouais. Ok, on va. Ah oh, ça y est, d'accord. C'était tout, on revient au village. Trop bien. Le nain. Attaque 2. 60%. 60% de défense. 6 PV. Oh putain, 70% de perception. Tellement fort. C'est quoi ses pouvoirs? Ah, il peut choper les pièges aussi, trop fort. Et il peut désarmer les pièges. À chaque fois qu'on a un trésor, on gagne plus d'or. Tellement bien. Ah ouais, on peut rentrer en mode gros shield. Et on a encore plus de chances de... Enfin, on va bloquer forcément les prochaines attaques. On peut mettre des trappes aussi. Le counter. On peut mettre des tonneaux. Trop bien, le nain. Moi, j'ai envie de prendre le shield block. À 80%.
Ah. Alors, l'équipement. Pour augmenter les pouvoirs de vos héros, tant qu'ils sont équipés, d'accord. Seulement un de chaque objet existe dans le jeu. Ok. Donc pour le moment, il y a juste l'épée. Qui augmente de 1 l'attaque. Qui peut être utilisée uniquement par les barbares, les nains et les chevaliers. Pour le moment, on n'a que ça. Bon, on va... Il coûte combien? Je sais pas. Et je peux l'avoir qu'une fois, d'accord. Ah oui, je l'ai mis au nain, là, je crois. Je sais pas ce que j'ai fait. C'est pas clair. Je la mets dans mon sac. Ah, c'est le sac qui est là. Non, pas du tout. Craft. Ah bah voilà. 750 balles, une belle armure de plate. Un bouclier. Des boots. Ah, la fameuse torche pour les pièges. Une des meilleures épées. Ok. Alors c'est pas très pratique. Bon, on va prendre une armure de plate. Évidemment. Alors je sais pas, je les mets là et qu'est-ce que... C'est dans le tuto et j'ai mal lu le tuto ou Parce que du coup elle a already... Je l'ai... Mais... Je l'ai équipé à qui? Comment je l'ai équipé tout à l'heure? J'ai rien compris. Donc ça, c'est qui peut porter? Alors, j'en sais rien. Je sais pas comment j'ai fait. Ah si, voilà, d'accord. Ok, c'est donc ça. Ok, c'est pas clair. Ok, c'est bon. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, lui, là, il a ça. Et en fait, tac. Et on peut avoir deux équipements par truc. Bon, je lui mets tout, hein, je mets tout au nain, vous savez, de toute façon c'est mon main. De toute façon, c'est fou. Bon, je peux pas recruter. Et du coup, il y a le barbare qui va aller dormir. Et on va aller se refaire une petite quête là. Max 3 players. Oh, on peut aller à 3. Et là aussi. Oh, les trésors de gobelins. Et ben en fait, si tout le monde peut y aller, tout le monde y va. Trop bien. Nice. Le plaisir. ...80% de blocage. Allez, le nain. Ah, mais pas du tout. Je voulais le nain. Oh, il est stylé, le nain. Waouh. On va peut-être lancer des haches. Yes. Lui. Fuck. Ah, je peux zoomer, dézoomer. Ok. Ah, si je me déplace, je peux pas attaquer après. Je vais tester. Si c'est bon. Parfait. Ok. Bon, le nain, voilà. Petite fléchette là. Parfait. Yes. Oh là là. Quelle passion. Tout est sous F5. Et puis, ouais, mais voyez. Il y a le crâne, mais... Alors, attendez, faut prendre le nain. Ah, oh, il a trouvé un autre piège. Ah, le son comme ça, c'est les pièges, d'accord.
Le son dégueulasse. Et là on est à quoi? On est à 50% aussi? Non, c'est 70%. Ah, le nain, meilleur looter. Le meilleur. Mais t'es un merde! J'ai oublié un coffre! Bon, ça va. Meilleur looter. Go! Petite flèche dans le fion. Oh là là! Incroyable! Est-ce que je peux l'emmener là? Ah non, voilà. On peut pas les emmener seuls dans un endroit. Bon, bah plutôt sympa ce Euge. On peut revenir en arrière. Faisons ça. Là, j'ai oublié de... Oh, tant pis. Faudrait que j'avance plus doucement. Alors, si vous pouvez niquer un archer... Ah, je pouvais peut-être passer à travers, j'ai pas testé. Parce que les archers, ils touchent tout le temps en fait, hein. Petit bâtard là. Pour 20 balles. Alright. Ah, ce solo. On va mettre le nain devant. Allez, boum. Ouais, du coup, ouais, c'est vraiment HeroQuest, hein, du coup. De très beaux souvenirs. Ça, c'est fluide et tout, hein, c'est cool. Est-ce qu'elle va réussir? Est-ce que j'ai assez confiance? Le problème c'est ça, est-ce que j'ai assez confiance? Parce que sinon lui il va nous aligner. Hein. Tant qu'elle elle touche pas, il nous aligne. Ah non. Ok, elle peut pas aller suffisamment proche. Problème solve. Ah, c'est déjà la fin. Lancer de hache sinon. Bien vu. Oh le bâtard! Oh le FDP! Oh là là! Comment j'ai eu le temps de rien? Il était tellement vénère. Ah oui, d'accord, ça. D'accord. On a l'info, ça bloque pas le chemin quand on découvre au fur et à mesure. Ah, quel nulos! Allez, il faut qu'il se... Oh bah, il va boire une popo. Ok, très bien. C'est une fin de tour. Oh le bâtard, ils vont pas venir. Si, c'est bon. Fin de tour. Écoute, tu... Comment ça, t'actives pas les pièges? On peut être deux sur la même case. Oh, ça c'est bien. Oh putain, ils activent pas les pièges, les salauds. Oh le knocker. Putain, trop déçu. Comment ça, il est bloqué? Ah, je suis obligé de... Ok, ok. Oh, il est relou. Eh, mais ça lui a pris les slots de... Non, ça lui pas... C'est qu'il a pas de potion. On n'a pas trouvé de magic pot. Oh là là, dégoûté. Ah, j'ai plus beaucoup de PEV avec ces bêtises. Je peux pas échanger mes potions avec mes petits potes, justement. Oh, attention, hein, attention où vous allez. Là. Attendez, là justement, il y a le Magic Pot.
Bon, en tout cas, c'est pas mal parce que. T'as... Je vois rien. On peut pas les activer automatiquement. Enfin, on peut pas. Genre, cliquer là et le personnage peut pas marcher dessus par mégarde. Si ça bloque le chemin, on est obligé de cliquer dessus et l'activer. Et donc, ça, c'est cool. Ça évite les mauvaises surprises. Ok. Bon, là, c'est que du bonus, du coup, vu qu'on avait déjà trouvé la sortie. Mais alors là, faudra se rappeler où était la sortie. Super, t'es nul. Super, vous êtes nul à chier. Waouh! On se calme. Merci. Bon, j'espère qu'il n'y a pas de petits pièges à la con. C'est bon. En tout cas, voilà. Moult cadeaux. Bon, bah c'est tout en fait. On peut rentrer. C'est à l'autre bout à droite, je crois. Hein. Ça y est, c'est bon. Vivement les mimiques pour réveiller les gens. Ah non, pas de mimiques. Oh, scu. Ah. Putain, il fait tellement chaud. Toujours trop chaud dans ce bureau. Ah, faut vraiment sortir tout le monde, là. La classe nain la meilleure, ah bah toujours. Vive l'aîné. C'est marrant que ça soit l'image du menu de départ dès qu'on vient ici. Alors. Oui, les armes. 1000 balles pour acheter des armes. Merci Marsupio. On va prendre de nouveaux skills. Le counter qu'on voit jamais, hein. Bon bah on va peut-être pouvoir prendre la rage. Ah oui, c'est à partir de 4 PV si je mets tout. Ouais, on va faire ça. Allez. On n'est jamais dans la demi-mesure. Toujours pas à recruter, mais on va pouvoir se reposer. On n'était pas trop de 3. Hein. Allez, les potions. Ah ouais, par contre, indispensable. Et Blacksmith, peut-on craft un petit quelque chose? Ça c'est fort. Enfin, vu que c'est gris, on voit pas trop quand c'est équipé ou pas. Alors attendez, parce que là il a combien de 20 pour... il a combien en pourcentage de défense? Que 60? Et 40% ici. Ok. Et tout. Ah! Oh! Alors, dans votre voyage, vous trouverez plusieurs gemmes et des objets précieux. Le marchand vous les achètera. Ok. Permet de vendre les objets précieux. Et on peut aller ici. Et quelle heure? Ah merde, j'ai pas mon téléphone. Alors, l'entertainment. C'est un stream, finalement, vous allez voir un stream. On peut, chaque héros peut visiter une fois par quête. Ah, ça nous donne un bonus. Pour la, la prochaine quête. Excellent. Oh là, 100 pour 150 balles, on a un bonus. Oh, le barbare. Et on le connaît, son bonus. On sait pas.
Oh, ça toc toc, attendez. Oh, on sait pas trop. Bon bah écoutez. Ah, j'avais pas assez de sous. C'est pour ça le bruit. J'ai pas les sous pour aller voir les demoiselles pour faire la fête. Bon, en tout cas, YouTube, j'espère que vous avez appris. Aïe. Ah, je me suis niqué le pouce. Il fallait pas claquer dans les mains. Ah, sa mère. Ah, j'espère que vous avez aimé, hein, j'ai tout donné. Des bisous, YouTube. Merci, le développeur. On aime la musique. À bientôt pour nouvelles. Allez, changer les VST de vos basses. Hein. On a bien aimé le jeu. C'est beaucoup amusé, très sympathique. Coop en plus, hein, on peut jouer en multi. Donc, à très bientôt pour de nouvelles aventures, YouTube. Merci. À dans 8 mois. Au revoir.